مرحبا اهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد، اتمنى ان تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشاهدون هذا الفيديو، نص هذا اليوم يتحدث عن شخصية ملهمة جدا، التي عانت من صعوبات ومشاكل كثيرة، لكن استطاعت ان تنجح واستطاعت ان تصبح من ابرز الشخصيات الملهمة والمؤثرة في العالم، هذه الشخصية هي Nick lecture du Nick Voyacec. Nick Voyacec est né en 1982 avec une maladie appelée la Foucomélie, c'est-à-dire une grosse malformation. À la naissance, aboutissant à une atrophie des membres. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni mains. Il a vécu un enfer étant jeune, autant physiquement que psychologiquement, notamment. Par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école, il a même tenté le suicide. Aujourd'hui, Neck a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Ce qui lui a fait changer, sa prise de conscience et sa philosophie de vie. Il a notamment dit Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et je remercie Dieu d'être en vie. Et chose incroyable également, il est aujourd'hui marié avec une très belle femme, Kanai Miyahara, et ils ont eu un fils qui est en bonne santé. On passe maintenant à la traduction en arabe. Nick Voyacech. Nick Vojachec est né en 1982 avec une maladie appelée la Foucomélie. Nick Vojachec est né en 1982 avec une maladie, appelée la focomélie, c'est-à-dire une grosse malformation à la naissance, c'est-à-dire une grosse malformation à la naissance, aboutissant à une atrophie des membres. Aboutissant à une atrophie des membres. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni mains. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni mains. Il a vécu un enfer étant jeune autant physiquement que psychologiquement. Il a vécu un enfer étant jeune, autant physiquement que psychologiquement, notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école. notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école. Il a même tenté le suicide. Il a même tenté le suicide. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant. Des conférences motivantes à travers le monde. Des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs. Il est également directeur de Life Without Limbs, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Ce qui lui a fait changer, ce qui lui a fait changer, sa prise de conscience et sa philosophie de vie. Il a notamment dit ⁇ Sa prise de conscience et sa philosophie de vie ⁇ Il a notamment dit ⁇ Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration. Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration. Pour beaucoup de monde, et je remercie Dieu d'être en vie. Pour beaucoup de monde, et je remercie Dieu d'être en vie. Et chose incroyable également. Et chose incroyable également. Il est aujourd'hui marié avec une très belle femme, Kanai Miyahara. Il est aujourd'hui marié avec une très belle femme, kanai miyahara. et ils ont eu un fils qui est en bonne santé. et ils ont eu un fils qui est en bonne santé. <missar> Nick Vujacic. Nick Vujacic est né en 1982 avec une maladie appelée la focomélie, c'est-à-dire une grosse malformation à la naissance, aboutissant à une atrophie. Des membres. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni mains. Il a vécu un enfer étant jeune, autant physiquement que psychologiquement, notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école. Il a même tenté le suicide. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Ce qui lui a fait changer, sa prise de conscience et sa philosophie de vie. Il a notamment dit, Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et je remercie Dieu d'être en vie. Et chose incroyable également, il est aujourd'hui marié avec une très belle femme, Kanai Miyahara, et ils ont eu un fils qui est en bonne santé. Alors, en اسمعوا وركزوا معي مره اخيره لكي تعرفوا ان ارتكبتم خطا خلال القراءه نيك وياتشيك نيك وياتشيت أني ني 1982 avec une maladie appelée la Malformation à la naissance, aboutissant à une atrophie des membres. Par conséquent, Nick n'a ni jambes ni mains. Il a vécu un enfer étant jeune, autant physiquement que psychologiquement. Notamment par le fait qu'il soit constamment martyrisé à l'école. Il a même tenté le suicide. Aujourd'hui, Neck a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs, qui est une association dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Il est super connu et inspire de nombreuses personnes au quotidien. Ce qui lui a fait changer, sa prise de conscience et sa philosophie de vie. Il a notamment dit ⁇ Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et je remercie Dieu d'être en vie. ⁇ Et chose incroyable également, il est aujourd'hui marié avec une très belle femme, Kanai Miyahara, et ils ont eu un fils qui est en bonne santé. إن أعجبتكم الفيديوهات التي نقدمها لكي تتوصلوا بالفيديوهات القادمة وإلى الفيديو القادم بحول الله ميرسي إلى فيديو بروشين